amis, j'espère que vous allez bien. Toujours à Goodwood aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous avez vu la miniature et le titre. Je monte la course de côte en Bugatti Veyron Super Sport avec Pierre-Henri Raphaël. Alors déjà, c'est la voiture qui a fait le record de vitesse à l'époque, record du monde, 431 km/h, avec Pierre-Henri au volant et cette voiture-là en particulier. Donc c'est incroyable, c'est une chance énorme. Déjà, mille merci Bugatti. Et voilà, hein, ça va être ouf. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire pour plus d'aventures comme ça, ça vaut le coup. Salut Pierre-Henri. Bonjour. On se retrouve. Ouais. Encore une fois. Dans un bel habitacle. Ouais. Nouveau. Dans une voiture très spéciale. Hein. On va en reparler parce que là il y a un peu d'agitation. Mais dès qu'on va se mettre en grille, je vais vous faire le tour de la voiture et je vais vous expliquer pourquoi elle est spéciale et à quel point elle est spéciale celle-ci. Et puis après 2-3 runs, 4 runs, tu t'habitues à ce que c'est et puis tu oublies complètement la différence qu'il peut y avoir avec une Chiron. Et puis ça devient très sympa. Et puis tu te dis, pour une voiture qui est en technologie, je dirais, bon, ça c'est 2010. Ça veut dire que c'est des voitures qui ont 12, 15 ans, 17 ans de conception. Et tu te retrouves dans des voitures qui sont phénoménales. Qui ne sont pas du tout ni vieilles dans l'esthétique. Ouais. Et qui étaient tellement en avance à ce moment-là qu'aujourd'hui c'est toujours une supercar. Hypercar ? Supercar. Je pense que c'est hypercar, t'es ouais. Encore dans des hypercars parce que tu vas voir quand la dynamique que ça a alors que c'est une voiture de route. Donc ça veut dire que la technologie des pneus, le grip qu'on peut avoir, les suspensions, c'est les directions hydrauliques, c'est une suspension avec un amortisseur et un ressort, il n'y a rien de suspension active ou de direction électrique. Aujourd'hui si tu rentres dans cette voiture et tu ne connais que cette voiture là, tu ne peux pas imaginer qu'il y ait d'autres voitures qui soient mieux que ça. Bien entendu, il y a des voitures qui sont. C'est vrai que Bugatti avait mis la barre assez haute. Si t'as ça dans ton garage, t'es le roi du monde. Et tu te dis pas, ben non, j'ai besoin de. Ouais, d'un extra quoi. Quand on va voir la dynamique, bon, on a 1200 chevaux. Or que ça accélère. Ouais, on se dit pas, tiens, moi, est-ce que je pourrais avoir 300 chevaux de plus ou 200 ou est-ce que ouais, t'as du double vitrage. Bon, c'est pas l'acoustique d'une Chiron. Double vitrage? Ouais, c'est double vitrage. Ah ouais. Donc c'est quand même dans un univers qui est pas une Chiron, parce qu'une Chiron ça fait tout mieux, mais le niveau de ça c'est déjà super élevé. On a toutes les voitures records de Bugatti, Super Sport 300+, Vitesse World Record Edition, donc celle qui a fait le record du monde de vitesse sans le toit en cabriolet. Là on a Andy Wallace au volant, record de la McLaren F1 en 92 ou 91 et record avec la Chiron 300+. Là, la Super Sport avec Pierre-Henri au volant qui a fait le record aussi. Je vais vous en parler. Et en fait, c'est au volant de cette voiture. Et puis derrière, on a la nouvelle, voilà, AMG One, nouvelle hypercar. On a la perspective des trois voitures records là. C'est quand même assez incroyable. Je sais pas si elles ont déjà été rassemblées, non, jamais. C'est incroyable. Ouais, mais ils ont jamais roulé ensemble comme ça. Ah, une concurrente. Ouais. Il est plus souvent à l'arrêt qu'en route. Donc là, en fait, les gens du Supercar Paddock sont venus se mettre en grille et nous, on va jusqu'au bout de la grille faire demi-tour. Exactement. Faire demi-tour et puis après, je casse. Et ensuite, ouais, on se met à la queue pour, voilà, après, pour le départ. Voilà, il laisse partir. Je pense que ça doit être tous les 20 secondes. Waouh. Faire son marché. Incroyable. Ah ouais. Les amis, ça y est, on est prêt pour la course de côte. C'est juste incroyable.
Moi avec Pierre-Henri dans la Veyron Super Sport. En fait, en 2005, Bugatti lance la Veyron qui fait 1001 chevaux. Et en 2010, ils sortent la Super Sport. Donc la Veyron normale faisait 1001 chevaux, 407 km/h. Et en 2010, ils sortent la Super Sport. 1200 chevaux, 1500 Nm de couple. Pierre-Henri a fait le record à 431 km/h, homologué par le Guinness Book des records. Donc vous avez devant vous la voiture la plus rapide du monde en son temps. Et Pierre me disait qu'elle a 70 000 km au compteur, celle-ci. Incroyable. Et pour la première fois, les trois Bugatti records, enfin, il manque la Veyron qui a fait 407 km/h, mais les trois World Record Edition, parce qu'elles sont reconnaissables à ça, elle a livré carbone et orange. Celle-ci, c'était la première, hein, la Super Sport WRE, parce qu'il y a eu des Super Sport avec d'autres livrées. La World Record Edition, édition record du monde, qui est carénée un petit peu différemment. Les Veyron avaient toujours les deux petites prises d'air au-dessus du moteur comme ça, et la Super Sport les a remplacées par des prises d'air Naka, c'est ça, inspirées de l'aviation directement. Et un arrière beaucoup plus caréné pour que le flux aérodynamique soit meilleur et que la voiture puisse aller à des vitesses plus élevées encore. On la reconnaît aussi parce que l'échappement est plus allongé comme ça au lieu d'un gros pot carré. Et le diffuseur aussi qui est impressionnant, mais regardez ce monstre, elle est incroyable. Devant, on a la Veyron vitesse WRE, donc on reconnaît l'échappement aussi qui est un peu plus allongé. La Veyron Grand Sport, donc en version vitesse, c'est avec 1200 chevaux au lieu de 1000. Carbone, orange, donc World Record Edition aussi. C'est aussi celle-ci qui a fait le record du monde, incroyable. Plus de, je crois, 415 km/h sans le toit. Cabriolet le plus rapide du monde, et puis de nouveau la voiture la plus rapide du monde en son temps, la Chiron Super Sport 300+, qui est une Chiron, donc la remplaçante de l'Aveyron, avec un aileron ici, tu vois, qui est dissimulé. Je sais plus s'il est fixe ou pas, mais l'arrière a été vraiment rallongé, ça se voit très nettement pour que l'aérodynamisme soit meilleur. Échappement verticaux, toujours carbone et orange, et regarde, c'est la voiture du record du monde celle-ci, parce qu'elle est totalement dépouillée, il n'y a pas de place pour le passager. Et c'est Andy Wallace qui a fait le record du monde, qui l'a conduit aujourd'hui. Incroyable. Bon, je crois qu'on y va. Allez, en voiture. Et donc l'histoire, c'est que le record, c'était en 2010. C'est en 2010. En 2010, t'as atteint 431 km/h, donc je crois 427 dans un sens et ouais. 434 ouais. dans l'autre. Ouais, parce que c'est en fait c'est un Guinness Book. Faut le faire dans Guinness les deux sens pour homologuer, ouais. Faut faire deux runs en moins de 2 heures. Et alors, ça fait quoi de rouler à 431 km/h ? Bah, c'est toujours un truc extrême parce que ça a jamais été fait, donc c'est toujours une zone de découverte. Et est-ce que les pneus étaient différents des pneus de série ? Non, donc ils font des tests et c'est ça qui est phénoménal, c'est que tu pars le matin et puis tu vois un ingénieur de chez Michelin qui est là et puis tu lui dis bon, ce qui peut être sensible critique, c'est un pneu qui explose à ce moment-là. Et puis quand tu vois le gars, tu lui dis les pneus c'est bon, bah, il dit bah, on a fait des tests bien entendu avec les pneumatiques. Ouais. Et donc il faisait un test qui était sur une machine spéciale où ils mettent la charge de la voiture et tout le reste. Et on fait 20 secondes à 400 km/h, 20 secondes à 435, la machine à ce moment-là pouvait aller qu'à 435. Et puis on fait des cycles comme ça de 20 secondes. Et il dit tout est bon, après 2 minutes, ton pneu arrière va exploser. Est-ce qu'il a dit tout est bon ou tout est bon a priori? Non, tout est bon, mais tu te dis quand le gars, tu te dis ça, tu te dis c'est la première fois que je le vois, peut-être je le reverrai plus. C'est un peu sensible. Et puis dans le run, quand tu vois 2 minutes, tu te dis donc ça veut dire j'ai 2 minutes de vie de pneu. Et je regarde, je dis mais c'est les mêmes jantes et les mêmes pneus que j'avais hier quand j'ai fait quelques essais. Il me dit pas de problème, t'es toujours dans la fenêtre des 2 minutes. Wow. Et donc là, t'as quand même un petit peu de pression. Parce que tu dis si lui il se trompe, on est mal. Ça va pas bien se passer. Bon, aujourd'hui ça devrait bien se passer, on va pas atteindre les 400. Posé, bien entendu le rail au lieu de te protéger il rentre dans la voiture. Donc tous ces éléments là c'est des éléments qui rajoutent de la pression. Parce que... Et puis même dans le comportement de la voiture, comme c'est une piste qui a toujours été utilisée dans le sens des aiguilles d'une montre, ben, quand on a fait les runs dans l'autre sens, ben, il y avait des vibrations partout, je comprenais pas ce que c'était, on cherchait, les vibrations à 400 c'est pas très sympathique.
Et en fait, c'est comme quand tu traces. D'un côté, bah, c'est doux. Et puis si tu vas dans le sens inverse du poil, c'est fait quelque chose de rugueux. Et le revêtement, c'est pareil. Quand il est utilisé, ça fait des petites dents qui se vont dans le sens de la direction. Ouais. Et si tu les prends en sens opposé, bah, ça fait des petites vibrations. Et donc, petites vibrations, bah, ça veut dire que le comportement est plus flou. Et puis, donc ça, c'est des choses qu'on a découvert. Nous, on l'a vraiment fait au bon endroit quand on a fait ce Guinness Book record. On l'a vraiment fait sur la même ligne droite. Okay. Plus tard, il y en a qui ont fait des Guinness en utilisant la même route, mais la route, elle fait 35 km. Donc, ils sont dans le sens des deux sens, mais ils ne sont pas au même endroit. D'accord. Donc, ils utilisent, si tu veux, la déclinaison la pour. Bah, ici, ça monte, donc on s'en servira pour descendre. Donc, ils sont effectivement sur un aller-retour d'une même route, mais pas au même endroit. Ça y est, c'est le moment de vérité. On va s'élancer sur le. Waouh! Je crois que c'est la Rimac devant qui a fait un burn des 4 roues. Devant moi, j'ai deux Veyrons. J'ai une Veyron vitesse et une Chiron détentrice de record du monde. Et on est dans une autre Veyron détentrice de record du monde. C'est historique. Et regardez comme l'intérieur, qui est au final un intérieur qui a été dessiné il y a bientôt 20 ans, n'a pas vieilli du tout. C'est tellement sobre, comme dans la Chiron, que ça ne vieillit pas. Waouh ! Elle a fait un drift là, la vitesse. C'est parti ! À 15 ans, ouais. Enfin, pas encore, mais. Cette génération. 12 ans, ouais. Très impressionnant. Waouh! Petit débrief. C'est quand même archi impressionnant et au-delà de la poussée qui est très forte hein, dans une Bugatti. Ce qui m'impressionne, c'est que ça ne s'arrête pas. Pied au plancher, t'es collé et ça ralentit pas quoi. L'accélération est toujours aussi forte et par contre on est dans une ambiance très feutrée. Ça c'est très étonnant. Double vitrage, c'est pas du tout une ambiance de voiture de course, c'est feutré, c'est bien suspendu. Et puis j'avais un très bon pilote. Les amis, privilège exclusif, je vais vous montrer toutes les voitures qui sont arrivées après la course de côte de la catégorie supercar. C'est incroyable. NSI Venom F5, Zenvo 599XX et Ferrari FXXK juste derrière. 296 GTB, Huayra Codalunga. Hi guys! Hello! All good? How are you? All good, all good. Huayra R, celle-ci qui pour moi fait le plus beau son de Too Good Wood. Incroyable. Absolument incroyable cette Huayra R, surtout qu'elle a un V12 Atmo. Elle est magnifique en plus, franchement ce style c'est hyper beau. Codalunga, je suis un petit peu moins fan. Ils ont rallongé vachement l'arrière de la Huayra. SF90 Spider, ça on connaît. Gordon Murray T50. V12 Atmo aussi. Regardez, ils ont ouvert l'arrière. Regardez le moteur de la Codalunga. Magnifique. Ce petit détail de l'échappement aussi, je trouve sublime. T50, Hispano Souza électrique, McLaren Artura, Valkyrie Daytona SP3, 812 Competition, Chiron Supersport 300+, encore Hispano Souza,
Veyron Vitesse WRE, Chiron, Veyron Super Sport WRE, McLaren P1, Monza, AMG GT Track Series. Juste derrière, on a la AMG One, ici Rimac Nevera, Rimac Nevera, AMG One. Incroyable celle-là aussi. Waouh! Regardez-moi tout ça. Ça y est, toutes les voitures ont fait la course de côte, donc là on remonte dedans et on retourne vers le supercar paddock en fait. Juste à Goodwood hein, tout ça. Incroyable. La P1. Comme c'est pas un circuit, et ben on redescend la côte dans l'autre sens. Donc là ça descend, tu vas pouvoir atteindre une plus grande vitesse, Pierre-Henri. Je vais faire un petit peu de ménage, tu vois. T'aimes pas les bottes de paille hein? Si, ça me rappelle mon époque de kart. J'adore. Quand c'est balisé comme ça, je suis excellent. Le circuit en ville, c'était ma grande spécialité. Donc... Alors j'ai pas filmé, mais je regardais le compteur. Après la ligne d'arrivée, t'as fait 220. 225 je crois. Ouais, c'est possible. Retour à la case départ. Ça s'échange l'oreille. Ça bon, c'est ici que se termine cette vidéo. Retour à la case départ. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était un privilège et un plaisir immense de faire la course de côte dans cette voiture record du monde avec Pierre-Henri, avec Bugatti. Enfin, je ne sais plus quoi dire. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.